bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de notre incroyable aventure sur D3 Become Human. On est parti pour charger notre partie et je pense qu'on va retrouver notre cher ami Android Kara et Marcus qu'on avait laissé dans un bateau. Si Kara tombe à l'eau, qui reste-t-il? Excellent. Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Ok. Jericho. Alors c'est ça, Jericho? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. D'accord. Peut-être le prix de la liberté? Se cacher pour survivre, c'est ça la liberté pour vous? Les humains nous haïssent. Se cacher est notre seul moyen de survivre. Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part. Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient. D'accord. Vous saviez que seul un androïde pouvait suivre la piste, je me trompe? Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver Jericho. Si tu as pu déchiffrer les signes, c'est que l'un de nous t'a fait confiance et t'a donné la clé. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho! Je sais ce que tu ressens, mais ne sens plus libre ici que tu ne l'as jamais été. Soyons lucides. Les humains étaient vos maîtres, et maintenant, c'est la peur qui vous guide. Vous n'êtes pas plus libre qu'avant. Vous avez juste trouvé un nouveau maître. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. Très très bien. S'installer, trouver Lucie, explorer Jericho bien évidemment, et un objectif un peu secret. On va allumer un feu, on va faire style on est humain. Un peu de chaleur. Pour réchauffer nos cœurs, il n'y a rien de mieux, évidemment. Hop, on brûle tout. Hein. Très bien, ils viennent autour du feu. C'est Crevarland par ici. On a quelqu'un à terre avec qui on peut discuter. On a deux interactions, derrière. Et on a une autre interaction sur le côté. Je pense qu'on va déjà allumer tous les feux. On va essayer de trouver Lucie, évidemment. Je sais pas qui c'est, ça a l'air d'être la maître de tous. Allez, les gars, venez. Venez vous réchauffer, même si vous êtes des androïdes, finalement, c'est vrai que le froid, bah vous vous en battez littéralement les couilles. Mais venez quand même, ça mange pas de pain. Ah, c'est peut-être elle. Ah non, elle s'appelle North, très bien. Elle s'appelle North, on adore. Jericho? Qui a trouvé cet endroit? Personne ne s'en souvient. Qui que ce soit, son corps est sûrement quelque part sur ce bateau. C'est quand même assez bizarre. Blessé? La plupart de ces androïdes sont en sale état. C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent. Ils nous méprisent. Jamais ils ne nous accepteront. Ils ont une haine envers les humains, ce qui peut être compréhensif, mais quand même. Ça fait longtemps que t'es ici? 4 semaines, 3 jours. Et 11h. Quand je me suis enfuie, j'avais nulle part où aller. Jericho m'a paru être une bonne solution. Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit. En fait, clairement, je pense que c'est un électrochoc. Un électrochoc qui fait que l'androïde a l'impression d'avoir une liberté. Mais au final, on n'est que des androïdes, donc la liberté de quoi? La liberté de penser! Mais après, ce n'est que des circuits, si je puis me permettre l'expression. Tiens, on va lui parler à elle. Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir. Achevez là, les gars. Sais-tu ce qu'il y a après la mort? Non. Je n'en sais rien. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Ah oui.
Marcus. Contente de t'avoir rencontré, Marcus. C'était un prank ? Elle fait extrêmement peur. Elle fait extrêmement peur, la demoiselle. Bon, maintenant elle fera plus peur à personne finalement, mais c'est vrai que là, c'était une phase terminale qu'on avait, c'était assez délicat. J'ai allumé le troisième, c'est qui chante ? Elle va commencer par fermer sa gueule, celle-là ! C'est Lucie encore ! Attends, pousse-toi. Ah, lui aussi, putain, les gars. Je suis pas en grande forme. C'est compliqué, Johnson. Mon programme de diagnostic est en panne. Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ils m'ont traîné derrière une voiture. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Je ne veux pas me désactiver. Non, je ne veux pas me désactiver. D'accord. Ils ont cette sensation de s'accrocher à la vie et de pas vouloir partir. Et donc, par conséquent... ah bah tiens, on va parler à... Attendez, quelle est cette tromperie ? Que dis-je ? Cette sombrerie ? Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, c'est donc dingue ça. Caisse déjà vidée. Parce qu'en fait, tout ça est paradoxal. S'il n'y a pas d'humains, parce qu'ils ne veulent pas d'humains, personne ne peut les soigner, si vous voyez ce que je veux dire. Cyberlife. Tiens, on va peut-être pouvoir savoir. Oh, il y a un QR code. Entrepôt Cyberlife et Quai West. Ok, j'ai pas le temps de lire. Ça dégage. Allez, hop. Calcul du trajet. Explorer Jericho, c'est fait. On va allumer celui-ci aussi. Je suis le seul qui a l'idée d'allumer tous ces feux. Alors, écoutez-moi bien. On a quelque chose à gauche, d'accord? Ici, on doit sûrement avoir quelque chose aussi. Attends, c'est pas un enfant androïde quand même. C'est pas possible, ils auraient pas créé ça. Enfer et damnation. Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... c'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre ? Impossible. Nous nous éteignons à petit feu. Bah oui, en fait, vous êtes face à une... Vous êtes face au sort, vous pouvez rien faire, c'est triste, mais c'est comme ça, les gars. Tiens, on n'a pas quelque chose, un bras incroyable. On a des bras qui traînent au calme. Ah, 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 bougez pas. Qu'est-ce qu'on a là ? RA9, forcément, c'était le nom de code. On va essayer de faire un tour, j'ai quand même un petit... comment dire ? Un petit objectif caché, verrouillé. Peut-être qu'il suffit de parler à Lucie pour savoir ce que ça va être. Peut-être pas. Peut-être qu'on a juste à le trouver en marchant un petit peu. Lucie, c'est celle qui chante, hein, qui est derrière là-haut. Aucun souci. On va essayer de monter. Ah non, je peux pas. Je peux pas, il y a des vigiles. Des androïdes vigiles, très bien. On va aller fouiller là-haut et puis on va aller voir Lucie. Aucun souci. J'aimerais ne pas passer à côté de quelque chose. Ça serait quand même dommage, on est bien d'accord. Lui, il est fini. Hein. D'accord. La technique de mettre un androïde en bas de chaque escalier, hein. Pour délimiter la zone de jeu. Bien joué David Cage, t'as été le meilleur. Bon Lucie, faut qu'on parle. C'est toi Lucie? Assieds-toi. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? On va s'asseoir.
Montre-moi. J'ai pas le choix, hein. Ces actions-là. Je vais arrêter l'hémorragie. D'accord. C'est du son bleu ou... Petite Powerade ? Framboise ? La famille, toi-même, tu sais. Ok. Hop, cul sec, hein, les gars. Pose sur le Fortnite, ça dégage, hein. Plus 25. Ok, on s'en va. Donne-moi ta main. Il a des lumières à l'intérieur du crâne, c'est énorme. Intérieur cuir, phare xénon, impeccable. Elle a tout ce qu'il faut, celle-ci. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu ? Ah ! On aura des choix. Tes choix forgeront ton destin. On aura des choix. Très bien. C'est tout le projet du jeu. Merci, madame. Très beau cerveau, si je puis me permettre. Petit intérieur LED, ça fait plaisir. Proposer un plan à Simon. On adore Simon, évidemment. Simon, c'est le frérot, c'est le sang de la veine. Y a plus rien à faire, hein, on est d'accord. Attendez, y a pas d'autres tonneaux. Voilà, y en a un ici. Ah, on peut pas le... Bah non, parce que oui, forcément, elle est morte. Ok. 1, 2, 3, 4 tonneaux. J'ai allumé 4 tonneaux. Je ne suis pas peu fier, si je peux me permettre. C'était mon objectif du jour. Simon. Hop. Je sais où on peut trouver des pièces. Micro-sieste, hein. Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je te suis. Il me rappelle un acteur. Je crois que c'est un acteur. Ok. Très intéressant. Bon, on a tout fait, les gars. On a tout fait, c'est un sans faute. Rien de difficile. On va évidemment continuer. Je vais pas vous laisser là. Ça serait honteux de ma part. Et on va retrouver normalement cette fois-ci Kara. De l'aide ici. Bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On est arrivé. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie ? Si quelqu'un vous emmène dans un endroit comme ça et vous dit on va trouver de l'aide, c'est sûrement un piège. Faites attention, d'accord ? Ne faites pas n'importe quoi dans la vie. Allez, on est parti. Bon, on peut pas faire de hors-piste, hein, sur ce petit manoir. Très agréable, trouver de l'aide. Je sais pas pourquoi on a choisi ici exactement. J'en ai fichtrement aucune idée. Mais clairement, avec Kara, ça sent à chaque fois la douille. Il va falloir courir nos longs morts. Hop, je force, hein. Je suis plutôt un forceur. Je déteste quand ça ouvre pas immédiatement.
Vous êtes Zlatko? Pourquoi? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez! On a vraiment besoin de votre aide. Oula! Entrez. Alors, un nom des pays de l'Est? Il a relooké la gamine? Dans les films, allez, ça finit mal. Ne soyez pas timide. Très bien. Bon, suivre Zlatko. Zlatko Dubrovnik. Ok. Zlatko Lee, ça fait plaisir. Un bon gars, ce Zlatko. On va essayer d'aller là-haut. On fait un petit peu d'orpie, c'est normal. Ah, MDR. Non, je voulais pas. Oh, il se passe des sombreries ici, hein. Qu'est-ce qu'il fait dans un manoir On a un dromadaire ici, attendez. Non, c'est une autruche, voilà, je ne sais pas ce... C'est une autruche. Comme vous pouvez voir, je suis expert, hein, bien évidemment, j'adore les animaux. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames? Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein? Et elle? Elle est humaine. Et... vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur, et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est... c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider, mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien, et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. C'est étrange. La petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle reste toujours avec moi. C'est étrange. Il m'aurait déjà retrouvé normalement avec un traceur. Bien et sûr. Vu qu'on incarne Connor, qui est policier. Tout mon matériel est au sous-sol. Ah. Ok, il fait des trucs funéralesques, hein, le bordel. Hein. D'accord. On va bouger, on va essayer de tout visiter calmement. Ça sent la douille. Je pense qu'on va devoir s'échapper. Ok. Très bien. On a des fenêtres. On a pas mal de trucs à analyser en vrai. C'est bizarre qu'on ait analysé l'autruche et tutti quanti, si je peux me permettre cette expression. C'est impossible qu'on ait des traceurs. Ils nous auraient déjà retrouvés. C'est n'importe quoi. Je m'énerve parce que je... Ça sent la douille. Ok, on va le suivre. Et indirectement, c'est ça qui est en fait assez fou. Je pense que l'erreur que font les humains dans ce monde-là, hein, qui est censé se passer en 2030. J'aime pas cet endroit. C'est que les humains donnent on y va. J'ai un mauvais pressentiment. Un style, une sorte de personnalité. Prudence. Je sais. Ouais, je suis prudent aussi. En fait, c'est que les humains donnent j'ai pas confiance.
une sorte de personnalité, un style unique à chaque androïde. Et c'est ça qui fait que ça devient très vite malsain, vu que l'androïde devient autonome et a l'impression d'avoir sa propre personnalité. Excusez-moi pour le bazar. Attends. Allez voir Alice. Quoi ? J'avais besoin d'un endroit où cacher mes machines. Retirer les traceurs est illégal, alors j'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non, ça va aller. Tant mieux. On a déverrouillé une action. Très bien. Je commence à avoir peur de ce qui va se passer, je vous le dis très honnêtement. Attends, reste avec moi Alice, déconne pas. Je compte sur toi. Si tu veux bien monter là-dessus. Ok. Ça sent pas bon et le mec là derrière là. J'aime pas ça. Ok, on peut pas voir ce qu'il fait. Ça sent pas bon du tout. Je vous le dis les gars. Des caisses cyber life. Ok, je vais me concentrer les mecs. Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. Ok. Tu sais ce qui est étrange ? Oh là là. Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein ? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Oh là là. Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non ! Non ! Je veux pas être formaté, laissez-moi ! Kara ! Oh ! J'avais oublié la gamine. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Alice ! Non, Alice, non ! Ok. Eh bien, une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Réinitialisation, j'ai peur, hein. Y'a rien à faire, putain! Voilà ce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus de... d'espoir brisé. Je t'envierai presque. Kara ! Très bien. Pauvre petite Alice. Corruption de mémoire détectée. On dirait ça sent pas bon, va falloir s'échapper. Oh, elle t'a complètement oublié. Kara, qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Allez, ça suffit, viens. Attendez, parce que la vue est dégueulasse. Mordu. À maîtriser. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Et tu sois pas, oh. Kara, réveille-toi, Kara. J'arrive. Rejoins-moi dans le salon. Ok, frère. C'est bizarre. Ok, très bien. On est parti, je pense qu'il va falloir s'échapper. Non ? Je suis déjà reformaté. Ok, en haut on a quoi ? Ok, câble jaune, câble vert. Le jaune. Celui de droite toujours. Ah putain, non.
Ok. Câble vert. Voilà. Ça c'est fait. On a de la vodka. Ah, L2. Allez, s'il te plaît. Ok. Là je fais vraiment au hasard avec tout ce qui tombe sous les mains. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Ça a marché, mon pote. On va essayer de faire vite. Ok. Allez, ça, ça dégage. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vivant. C'est moi. Je m'appelle toujours Kara. J'ai tout fait, les gars. Hein. Corruption de mémoire réparée. C'est bon, je me souviens de tout. Ok, regardez bien ce qu'on va faire. Trouver Alice. On va faire genre on a perdu la mémoire, ok? Ok, on a un homme de Cro-Magnon ici. On peut regarder. Ouvrir la cellule. T'inquiète que je vais t'aider, mon pote. Ils peuvent m'aider, ils peuvent m'aider. Non. Ça ne peut pas être possible. J'ai fait une erreur. Il aime jouer avec nous. Il crée des monstres. Juste pour s'amuser. Ah! Ah oui, c'est un délire! Qui est vraiment stupide. Regarde ce qu'il nous a fait. J'y retourne. Hein. Ok, attendez. Il doit y avoir quelque chose là-dedans, non? Je peux encore y retourner? Non, on peut plus y retourner. C'est terminé, on sait jamais. Très bien, peut-être qu'ils m'aideront plus tard. Si on a déverrouillé l'action grâce à Alice, c'est qu'à mon avis, il y aura quelque chose à faire! Oh non... Après, c'est des androïdes, mais... Oh, il a brisé les rêves de tellement de gens. Je vais faire genre que je suis totalement reformaté. Oui, Zlatko. J'aurai terminé dans 10 minutes environ. Après, je verrai ce que je peux faire de la petite. Entendu, Zlatko. Je vous amène la petite dans 10 minutes. T'en restant 10 minutes. Est-ce que par hasard, je peux pas préparer mon évasion avec la gamine? Qu'en pensez-vous? Par exemple, là, ouvrir. Ok, Alice est à l'intérieur. My bad. Je pensais qu'on pouvait juste l'ouvrir en attendant. Bon, moi, je sais que c'est ouvert. On a regardé. Là, on avait vu des fenêtres. Peut-être quelque chose à faire, non? Non. Ok, le temps défile. 9 minutes 24. Je peux sûrement faire des choses ici. Des choses incroyables. 10 minutes, ça me paraît bien large. Sûrement quelque chose à faire. Si je puis me permettre l'expression. Ok. Je peux ouvrir. Ok, ici c'est totalement fermé. Très bien. 8 minutes 46. Par exemple, ici, on sait qu'on avait une autruche. Rien à faire avec. Est-ce que c'est pas le moment de retourner en bas? Et pourquoi pas aller parler aux androïdes, qu'en pensez-vous? Ok, on est reparti, on va monter, on va essayer de la récupérer. Là, je vous avoue que j'ai aucune idée de ce qu'on va faire une fois en haut. On va faire de l'improvisation en fonction de ce qui va se passer.
Et ça me paraît bien compliqué. Parce que Luther, il est quand même 2m30 pour 230 kg. On verra. Que Jésus de Nazareth me bénisse. Ah, on a des solutions. Trouver Alice. D'accord. J'ai l'impression d'avoir perdu énormément de temps. Et ça me fait mal. Observer RA9, très bien. Ok. Ici, c'est quoi ça? Très bien. C'est l'atelier donc. Forcément des choses à faire un petit peu partout. Oh, la vache! Un ours! Vas-y, hein. Ok. Je suis avec toi, mon frère. Je suis avec toi. Ok, on a une action supplémentaire. On sait qu'en venant ici, il pourra se défendre. Il reste 6 minutes. 6 minutes toujours. Ça ne change pas. Ici, ça mène au couloir. J'ai déverrouillé deux actions. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que le maître... Ok. T'as autorisé à venir ici. Il faut toujours obéir au maître. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire du mal. Non. Non. Non, tu ne ferais pas ça. Désactiver, accord, épargné. Non. Non, bien sûr que non. Faut pas... Non, il a rien fait, le pauvre miskin, t'as vu... Putain, merde. En plus, j'ai paniqué, il y a tout qui tremblait, c'était terrible. Oh, Luther, ça va, mon frérot? Tu m'as pas vu, hein? Ok. Ok, il est en sommeil. J'ai peur de pas avoir assez de temps. On a un magazine. On va pas le lire, hein, parce que là, c'est vraiment très urgent. Voilà. On a quelque chose ici. Qu'est-ce que... Oh là là, fusil à pompe, sa mère. Non, 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 non. Pas d'armes. Pas d'armes, les gars. Je culpabiliserai pas s'il se fait tuer par l'ours, par les autres androïdes. Parce que c'est pas moi, finalement. J'ai juste libéré... Il va assumer les conséquences de ses actes, évidemment. On a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a là? On a un feu. Oh, ça peut être intéressant, ça. D'accord, je peux rien en faire. Mais on sait qu'il y a des brèches chaudes. Oh là 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 là. On est vraiment... Il faut tout mémoriser. On va allumer, on va allumer. Si jamais on vient dans cette pièce, on aura de quoi s'occuper et passer un agréable moment. On va éteindre, c'est vrai. Je suis d'accord. Peut-être beaucoup trop tôt pour prendre autant de plaisir. Alice, je sais pas où tu te caches, ma soeur, mais j'ai fait 4 fois la maison. L'étage, il est 2 fois plus grand que le rez-de-chaussée. Les gars. Ok, on a tout analysé. On sait ce qui va se passer. J'espère que vous êtes prêts. Course poursuite. Ça va pas tarder. Alice ? Kara ? Kara, tu te souviens de moi ? Comment aurais-je pu t'oublier ? Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. On doit quitter cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord ? Luther ! D'accord. Oui, Zlatko. J'ai terminé. Va chercher la petite. Très bien, Zlatko. Ah. Ok, ok.
on peut se cacher. Zlatko ! Quoi ? La petite a disparu ! Ok, on va se cacher. Elle a pas pu disparaître comme ça. Elle est forcément quelque part. Bon alors, qu'est-ce que t'attends ? Va la chercher ! J'ai peur. Faut que je reste appuyé sur les touches, hein. Sinon je suis cramé, hein. Je lâche une touche et terminé pour le joueur franco-italien. La porte. Je sais pas par où passer, c'est terrible. Il faut y aller à la maison, on doit sortir avant qu'il nous trouve. Ok, vers le couloir. On va voir. Ah, forcément, mais oui, c'est clair. Hey, où ils sont passés ? Luther, vas-y, trouve-le, bordel. Allez, on va rester sur ces touches-là. Je rappelle qu'il y a un fusil à pompe à côté de nous. J'entends, je vois personne. Ok, il est là. C'est le prix d'androïde. J'aurais dû la mettre en pièce dès qu'elle est entrée. Toujours des problèmes. On n'a pas le droit à l'erreur. Bah ouais, je vais laisser le fusil à pompe. Je pensais qu'on pouvait l'utiliser, mais en fait, je pense qu'on pouvait le planquer simplement. Très bien, c'est pas grave. Ça nous met un peu plus de challenge. Ok, on se casse. Dépêche-toi. Hop. Voilà, ni vu ni connu. Vous désobéissez au maître. Vous désobéissez au maître. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Je dois le prévenir. On va passer par ici. Oui, pas de doute, maître. Oui, je dois le prévenir. Elles sont là. Elles sont là. Venez vite. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Elles sont là. Elles sont là. Il va falloir être courageux. Allez. Il y a l'ours, il y a l'ours. Montre-toi. Va chercher une lampe torche. Il y en a une sur la table. Allez, ma grande, sors de là maintenant. Je te ferai pas de mal, c'est juré. Je veux juste te parler. Ok. Je sais que j'aurais pas dû effacer ta mémoire, ok? Je regrette de l'avoir fait. Je suis pas bien, les gars. Allez, sors de là et tout se passera bien. Je t'aiderai si tu veux. Pense à la petite fille, la pauvre. Elle doit être terrifiée. Sois raisonnable. Allez, sors de là et tout se passera bien. Tu les as trouvés ? Non, Zlatko. Aïe ! Hop, esquive ! Hop, double esquive ! Chers filles, on arrête de jouer à cache-cache. Allez, boum ! Ok. Oh putain, c'était chaud. Elles sont là. Allez, je me concentre, les gars. Esquive. Double esquive. J'ai jamais été aussi concentré. Je sais que c'est fermé à gauche. On va à droite. Allez, ça dégage. Alice. Oh, Alice. Vas-y, Alice.
Non, non, je te laisserai pas. Cours, cours le plus vite possible. Je m'en occupe, Alice. Ah putain. Je t'avais prévenu, hein. Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi de là! Non. Pas cette fois. Allez, bouge-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus! Ok. Comment oses-tu? Ok, ça change beaucoup de choses, là. Ah! L'armée des morts! Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé sortir? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Obéissez, je suis votre maître! Je suis votre maître! Et ouais, j'ai tué personne, mon gars! Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je t'aime bien, je t'emmène avec moi. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance. Incroyable, même si on a eu très très chaud, ça va vite, ça va très loin sur le coup. La fuite du manoir, succès obtenu. Je pense que là, clairement, une fausse manœuvre et on pouvait largement mourir. Et c'était la fin pour Kara, donc on s'en sort plutôt bien. Regardez cet arbre comme il est beau avec tous ses choix. Libérer les monstres, oh, ils appellent ça carrément des monstres. Et tutti quanti, on s'en est très très bien sorti. Pourquoi ce tableau n'a pas fini? Lire la tension, très bien, d'accord, non, il n'y avait pas de suite. Et là, pourquoi ça s'arrêtait? S'enfuir avant la réinitialisation. Ah, on aurait pu s'enfuir, mais avoir perdu la mémoire. Je ne sais pas du tout, par contre, ce que ça aurait fait. Après, on s'en est très très bien sorti. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. Très long épisode, mais un maximum de bonheur. À très vite tout le monde. Portez-vous bien, ciao, ciao.